Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Bonjour fidèle internet, bonjour Balaninho sur Gcam TV officiel. C'est votre humble serviteur Guylain Tchouboubo, le vrai descendant de Tchène Tshisekedi, défenseur du parti présidentiel, avocat de tous les parlementaires de groupe. Naël Lelo, on a été endoïqué, ça fait un bail, on ne s'est pas vu. Pour nous représenter nos actualités politiques en Bokanabiso, sur le plan national et puis dans Robert Tapé, actualité, la parti présidentiel, IDPS, le Lengenini, le congrès. Le premier point, Torolobela. Maman na réunion interconstitutionnelle. Oyobo Konziamboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a président Guy Mikolo Lobby, Azalaki, na Mokambi, ya Sénat, Baati Lukwebo, Mokambi, ya l'Assemblée nationale, Azalaki empêché, il était bel et bien représenté par le premier vice de l'Assemblée nationale, M. Mbata, Mokambi, ya primatire, na Kombo Sama Lukonde, na Mokambi, ya cause des tribunaux. Oui, tout bengi, Mokambi la Bamonyoso, le président co-consonnet Dieudonné Kamuleta. Na réunion, Basalaki au Mokonzia Ekolo, a président qui, le chef de l'État a martelé pour Namaïmatali la situation sécuritaire dans l'espace camp Est, précisément dans le nord Kivu na Ituri, pour Namaïmatali. Lever ou bien maintien à état de siège sur le plan sécuritaire. Et puis le chef de l'État est allé plus loin pour Namaïmatali, élection. Il y aura bel et bien élection dans le délai. Parce que le chef de l'État, si j'ai de bons souvenirs, en 2022, le 13 décembre, dans le discours était de la Swabi, le coup de la démocratie n'est plus fragile. Ça serait mieux de respecter la Constitution et de permettre dans le délai constitutionnel. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a pris tant à président René Lobby, il a martelé à ce qui concerne les élections du décembre. Dans quelques mois, donc, élection, dans plus ou moins 4 mois, donc, élection. Pour que ça a tout été, il n'y aura pas de glissement, le chef de l'État a martelé. Il y aura bel et bien élection dans le délai. Le chef de l'État. À l'obélipé pour la matali est y a un bon abisso pour la matali levé y a sanction même maintien y a sanction n'a pas dit le chef de l'État a lancé qui au et au béni table ronde au banda qui semaine passée c'est là qui 3 jours lundi mardi mercredi le chef de l'État souci n'a pas à la dictature à soumettre en haut. N'a pas responsable à Moka pourvu que soit on peut maintenir l'état de siège, soit on peut lever l'état de siège. Mais je profite de cette occasion et interpeller Bande Konabiso en Okivu, na Bande Konabiso en Ituri. Toti Kabanzela Yamabe, tout dans le sens y a patriotisme, tout dans le sens où tu bengi. L'amour, au Bible le dit, sans l'amour, personne ne verra le Seigneur. Sans ce patriotisme, et ça n'a pas été dit. Moi, je suis chef de l'État, mais Bolanda qui vient chez Malukonde, le chef de l'État m'a donné l'instruction, il y a qu'à clôturer table ronde. Mais par rapport à nous, il y a un chef de l'État. Il y a un régné à lobby. Interconstitutionnel, bah, l'obéla qui peut on a même atali sur le plan sécurité à l'est du pays. Mais pour la même atali maintien, soit qu'on leve, on a dépendre de la pouvoir. Il y a tata Mokonzi qu'on attaque qui magistrat suprême de forces armées de la police nationale en tant que père de la nation, les garants de bon fonctionnement des institutions, en tant que le premier citoyen de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je pense que décision, il y a qu'on lever, soit qu'on maintenir, ils ont revenir dans l'attribution, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pourquoi, dans ma réunion interconstitutionnelle, le chef de l'État
à Bétika à deux points au nord du Koloba, élection dans sur le plan sécurité à l'est du pays. Je profite de cette occasion, Yoroye Bissa, Bande Konabi, Soyeste, Bolanda Badongolomi Souté, Bolanda Corneille Nangato, soit disant votre frère. Comment expliquer Moutou Alobi Kaza Moutou Ya Grand Est, précisément à Otiwele, à Zamona Bounia. Mais, aujourd'hui, c'est la déclaration Yamabe, Ote, ba force armée. Il y a la République démocratique du Congo qui est mon pays. Ba coopéraka na ba rebelle, il y a LF Nalou, na ba M23. Mais sinon, avez-vous des preuves tangibles, palpables et convaincantes sur l'acceptation qui ba responsable faire des sambouga na biso ba coopérana ADF Nalou na M23 aux ana ngoté. Tant qu'on va retirer maboko acharnement politique patati patata. Le loyo romo yo sala déclaration libandé amboka yoté. Il faut tout faire partir Tshisekedi dit. Ote, tu vois, patati patata patati patata. On fait partie de ce qu'il dit. Avec quelle raison? Il y a un propos à ma baie. Il y a quoi acquiser, FARDC qui va travailler en collaboration avec ADF dans l'eau, avec rebelle à M23. Mais bon, l'accès est une preuve tangible, palpable. Aujourd'hui, l'accès a été. Ba force armée de la République démocratique du Congo, basali ko coopérer na ba force négative autobé ba FDLNA M23. Osa la preuve. Tant qu'on va retirer maboko acharnement politique patati patata. Ya on ali ko singa na bande ko na biso est bolanda ba déclaration bondokité faire des mboka na biso ba ko ki jamais ko trahir mboka na biso. Quel est le rôle de la FARDC? Il y a combattu là, ma belle à la République démocratique. Et puis, qu'on soit offensif, qu'on défendre ma belle à la République démocratique du Congo. Mais ce qui est un soi-disant opposant qui se permet de dire n'importe quoi, pourquoi dans le monde, dans le monde, dans le monde, dans le positionnement politique. Dans ce pays, le responsable numéro 1 à FARDC, le pasteur général, Christa Chouéou, dans le Mbashi à l'Obinine. Bande konangai, ba militaire, na ba policier, tous dans le sens y a patriotisme. Nous avons qu'un seul commandant suprême de forces armées et de la police nationale, comme on a dit Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui est battu, basali ko diabolisé, battu on a basa banguna yambo kanabiso. Et puis là, allé plus loin, le pasteur général. Christian Chouwe Alubi, Mouto a bengami militaire, Mouto a bengami policier, azalaka politique, conformément à la constitution de Mbokanabiso. Et puis a interdit, naba policier, naba militaire, bakota, naba affaire, yaba carré minierité. Maïmaï Matali, bakaré minier, et zana bato, bazana ba responsabilité na yango, naba attribution na yango. Mais pour la maïmatali bakaré minier, biso to koki jamais kokote la maïmatali carré minier to te kaube toza la complicité pour la manque à gagner la République démocratique du Congo. Et puis à l'objeté, mouto de la cité, na maïmatali mafia, na maïmatali au carré minier aye baete, il serait déféré à la justice. On les alima louba. Il y a le numéro 1, il y a FARDC Mbokanabiso, le pasteur Christa Chouwewe, devant ma militaire, devant ma policier, il y a le Mbashi. Il était clair, à l'objet, nous avons qu'un seul commandant suprême de forces armées et de la police nationale. Il s'appelle bien Fatshi Béton Mokonzi Mbok. Bolanda, la déclaration, il y a Bondoki, il y a ma politicien. Et puis, à Sengi, il y a un politicien. Botika, ba soda na ba policier, ba sala musala na bango, ya ko défendre mboka. En tout cas, le pasteur général Christian Chouwewe, Zambalola Monayo, parce que la qui sa sens ya patriotisme na ba déclaration, chaque fois bisika nous ali ko kende, ozo la qui sa sens ya patriotisme aux ali na yango. De même, deuxième personnalité à FARDC, Chiko Chitamo na Kisangani, à l'obipe le Kouana, nous avons un seul commandant suprême. Oh, tout ce qu'il faut respecter, tout défendre, comme on l'a fait chez toi. Mouto a bien mis militaire et ce qu'il a défendre
ma belle la République démocratique du Congo. C'est le même langage avec le titulaire et l'adjoint. Tout ça n'a pas besoin. Il y a un responsable armé, dans le sens, il y a patriotisme, mais il y a un toujours le même ordre d'idée. Le directeur général, il y a ARSP, monsieur Miguel Cachal. Monsieur Miguel Cachal, il y a directeur général, il y a ARSP. Bah, soit des partenaires figurants. Côté partenaire chinois, bah, il a signé un contrat, patati patata. Le directeur général, il y a ARSP, à Yambaki Bango. Quand il y a Bango, à Tuni Bango, il y a Mikanda, où les OP, c'est bien un zélabo exploité, ma belle République démocratique du Congo. Bah, chinois, bah, là, qui c'est faux document. Bah, là, qui c'est faux document, soit disant, bah, partenaire. Oui, basé le coopérant République démocratique du Congo. Ok, basé la mafia minéne. Le directeur général est ARSP, monsieur Miguel Cachal, à l'obi, ngai nazali kolandao mokonze mboka luba. État des droits. L'état des droits, c'est le respect de la Constitution. Na mibe kolambo kona biso. Tant que va exhiber mukanda, aux ali ko pesa bango nzela ba exploiter ma belle mboka na biso. Fungoume, Mikanda n'attend directeur général à Tali, à Mouniango, Zéliba, Dokima, Moko, Yaloukouta. Ce sont des partenaires mafieux chinois. Le partenaire chinois mafieux, au Bazali, qui a exploité ma belle République démocratique du Congo, dit de façon illégale. C'est la raison pour laquelle, au moment où Corneille Nanga, là je reviens, dans ma loi Corneille Nanga. Ce qui est Corneille Nanga, le but qui est faire descendre au Canabiso, Bazali, qui a coopéré. Naba rebelle ADF Dalou. Dans M23, parce que ma botte les bacarés miniers ont balé qui ont exploité la bougne de façon illégale. Nous avons un président Tchabi Soboul. Il nous le banine, tous on en a dit là. C'est la raison pour laquelle ma propos à ancien président de la commission électorale nationale indépendante Corneille Nanga a invité Fadé Sassala Moussala Naye, le directeur général, il y a ARSP, il m'a télé réglé ça sous détente. À comprendre que il y a des partenaires chinois mafieux au Babandé qui ont exploité ma belle la Bissau, ma minerai la Bissau, pardon, sans toutefois pas une autorisation valable. Tant que tu as dit que le bas ou tant que le lobby va déférer, bah, on a acquis les droits. Nous le baillet est baqué, n'a parqué à grande essence et puis bah, toi, bah, vous allez juger dans l'audience publique. Tant là-bas, DG au Babandé qui sait la moussa la guitoko. Bah, toi, là, bah, qui peut pas comprendre, mais la talité. Sans sa patriotisme et gangi. Sans sa patriotisme et gangi habité. Il y a un détournement. Il y a une sueur. Il y a un détournement. Il y a un trahir. Mieux vaut. Il y a un déféré dans la justice. Et puis le directeur général a lobby été. A cause de la été. Procès à un partenaire mafieux chinois. Et il a diffusé dans RTNC. Là bateau tu as bon pour ça va diriger ma entreprise publique en bon abisso sur les règles sous ma pessie en bon mot à ce dossier wana à la licia mais le directeur général Miguel habité et saigné li bateau bas à la déférer la justice à baigner mal à bon corps pour les judiciaires bâtir bateau dans ma boucle tant que toi l'icône au bas bas aller la parquet à grand essence à gobe bas au samba dans audience publique. Pour décourager ma partenaire mafieux, si tu es partenaire privilégié, mais partenaire sérieux, il faut venir dans la porte principale. Ma responsable habilité, par exemple le ministère Amine, ministère Mibato, habilité, ma personne ne peut exploiter minerai à Mbokanabiso. Mais le coup là, bande Konabiso, partenaire chinois bah niveau mafia donc on lit le lot bah tiens bon ma bourre bah ça plus de trois tant que toi lui coloba bah lina na kacho y a encore des choses à gomber tous ces là bah comparaître na bah comparaître et puis audience la bango c'est la public pour la condamner bango pour être bah niveau mususu bah dégoûtant bah mususu bah mafia bah quoi bah toujours été na rosa la mabé pour la même tali exploitation illicite dans la République démocratique du Congo.
toujours dans mes matières d'actualité politique. Les lots sont basés sur l'armée. L'armée en Burkina Faso, ils ont la valeur, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, l'armée congolaise est comme une poire. On est considéré, sur le plan mondial, notre armée n'est représentée sous rien. Pour mon ami Herman Cohen, un ancien secrétaire général d'État américain, c'est la déclaration. Alors, le commandant suprême des forces armées de la police nationale de la République démocratique du Congo, M. Félix Antoine Tshisekedi, il dirige l'armée comme s'il était militaire, mais il est civil. Et puis, il est allé plus loin au Lobaye que ce monsieur, Azo Salamoussala, qui est Toko, et c'est le peuple congolais, a payé sa confiance, il est allé à Bounsambo. Tant que vous avez dit que le Loba, le responsable de la mine, il a dit que le Loba est allé à Bounsambo. Na Tchad, Balobani. Babi Fachi, en tout cas, il fallait Zala. Tant que ils disent des bêtises à Bomo, mais les mambo, ils commettent les bisotés. Aujourd'hui, Fachi, à côté de qui mène en Zela, à côté de qui mène en Tchad. Aujourd'hui, il y aura un gouvernement, il y a transition. Il y a un gouvernement d'union nationale, où il y a un opposant, où il y a une majorité présidentielle, dans la société civile, pour être là qu'il y a un opponent. Et puis le chef de l'État BT qui s'est habillé, tant qu'on a les locaux, il y a un gouvernement national et a porté les biseaux qui mènent en Boka Tchad. Tant qu'on a dit que le babi loba loba, côté patati patata, fachi beto, tout ça les locaux, mais bateau les bandes en Boka Bazali, comme il s'est comme on est petit dieu. Parce que nous avons un mazara en Boka, on est petit dieu. Et puis, 50 ans après, Armen Abisso et Zongi sous Félix Antoine Tshisekedi. Ni une totalité. Ni une totalité, un militaire qui ne représente rien. Alors, si j'ai de bons souvenirs, un militaire à l'époque à Kabila a touché au moins 135 000 francs congolais. Aujourd'hui, un militaire congolais touche au-delà de 300 quelques mille francs. C'est pour vous dire qu'il y a des avancées depuis que Fatih Beto est président de la République. Aujourd'hui, ma militaire en Abisso, il est bien équipé sur le plan logistique, ainsi de suite. Vous ressentez que quand la peau soda et qu'on peut ça congolmani goût pas soda aujourd'hui Christian Tshitambo le responsable numéro 1 à FARDC n'a pas recruté il y a Kamina Lobini. Actuellement nous comptons plus de 4000 recrues au bandimi comme pas soda mais les pour après des saisons tout monde est monté. Aujourd'hui le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a organisé armée n'a pas comme structuré et comme considéré veuve militaire qui ne représente pas son mari dans ce pays. À la fin de chaque mois, il touchait 30 000 francs à l'époque, il y a Kabila. Actuellement, une veuve militaire touche au moins 250 000 francs congolais. Une veuve militaire, moi aussi, on a fait la mobilité à Soudan. À sa prise en charge, le gouvernement Burkina Faso va foutre 250 000 francs à la fin de chaque mois. À l'ongue, on a 30 000, à combien on a déjà 50 000 francs. C'est pour vous dire que ça fait partie de nos bilans. Tant que vous allez au Loba, Fatia doit dire que ça est de l'autre côté. J'ai interpellé aussi la conscience. Il y a un dégonion sur le Bazali, qui est dans le GKM TV officiel. Ce qui est dans le GKM TV officiel, Fatia Beto, qui est dans le GKM TV officiel, il y a un bisaye qui est au bisaye qui est au bout de la main. Parce qu'une personne m'attire, une personne qui a la sagesse et l'intelligence. Alors, comprendre que ce monsieur, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, c'est une personne qui a l'amour de ce pays. C'est une personne qui se bat pour nous relever Burkina Faso. Quand le chef de l'État a abrigé trois missions principales, nous allons à tête à la République démocratique du Congo. La première mission, c'est la paix. La deuxième mission, c'est la sécurité. La troisième mission, c'est le développement. Et ça, n'importe qui t'es. Mais ça demande au moins. C'est là où est venue la haine et la jalousie affamée comme l'État international. Parce que le premier mission du chef de l'État, c'est la paix. Le deuxième mission, c'est le développement. Le deuxième mission, pardon, c'est la sécurité. Le troisième mission, c'est le développement. C'est là où est venue la haine et la jalousie affamée comme l'État international. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un contrat. Patati patata, et c'est signé contrat, c'est le fait entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Jamais.
Il n'y a aucune relation diplomatique actuellement entre la République démocratique du Congo et la Rwanda. Mokonzeko la Boyabagi, pas de négociation avec les terroristes M23. Mais le fameux communauté internationale, Bazom Ningaba Memabiso, dans le processus à table ronde, tout va de Sikamorona Mana, Bato Bazel Kubomabiso, du jour au jour, tout retire pour négocier la Rwanda Tamukonomote. Dans le moment où le chef de l'État à l'est du pays, Al-Bagi, s'il s'agit même de mourir, sacrifier ma vie pour que la paix revienne à l'est du pays au salaire. Pas de négociation avec les diables. Toujours le même ordre d'idée, Chico Chitambo, Nagisangani, a sali paix déclaration. À l'obi, nous sommes obligés de soutenir le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi et de défendre l'intérêt territorial de la République démocratique du Congo. On a senti que le responsable de la FARDC, c'est bateau, c'est Bunda, pour l'émergence, pour le développement de la République démocratique du Congo. Toujours dans mes matières d'actualité politique, c'est tout le Belayango. Parce que les économistes disent il n'y a pas de développement sans infrastructure. Pour Mboka se développer, c'est une Zélaïza. Aujourd'hui, Bandego Nabiso et Grand Bandundu, c'est le premier bénéficiaire pour les matières infrastructure. C'est l'ensemble des 26 provinces. Idiofort, Bakata, Nzele Zalagati, Gungu, Kenge, Nzele Komagi déjà, Mabé. Mais actuellement, le chef de l'État, Bazali Kosala Nzele Wana. Bientôt, finition, Yachit et Kakabolo. Mais, la bande de ville, courant est éclairé. Courant, quand le projet Yachit et Kakabolo, il faut permettre que la bande de mobilité est éclairée. Mais pas nous le tirer dans la courante, mais sous Félix Antoine Tshisekedi, dans une ville, parce qu'elle est éclairée, dans quelques villages. Mais en attendant la finition, il y a un projet à Kakobola. Mais la secteur infrastructure, c'est que nous avons le chef de l'État avait signé un contrat à 305 ponts sur l'ensemble du territoire national. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son souci majeur, ils allaient être le territoire en Abisso, le district en Abisso, le secteur en Abisso, la ville en Abisso. La localité et s'est développé ensemble. Le chef de l'État n'est pas tribal. Le chef de l'État souci n'a été. S'est développé. Si le plan infrastructure, c'est l'ensemble de 26 provinces, le premier bénéficiaire, c'est le premier bénéficiaire. Aujourd'hui, le chef de l'État a signé un contrat à 305 ponts. C'est l'ensemble du territoire national. Mais actuellement, nous comptons déjà plus de 200 ponts. Oui, c'est Salami déjà. Parce que les ponts, ça touche directement la population. Parce que ce qui va tirer pour, et qu'on permet le trafic et c'est le mandingé à Malamou. Pour être dans le village, dans le territoire, dans le territoire, pour faciliter le transport. Aujourd'hui, nous comptons au moins plus de 200 ponts, où ils sont mis déjà sur l'ensemble du territoire national. Mais le contrat est allé à 305 ponts sur l'ensemble du territoire national. Donc, quand il y a secteur, il y a économie. Secteur, économie, c'est ce qui va être. Le chef de l'État avait instruit la vice-première ministre en charge de l'économie, Vital Kamerhe, pour Namaimatali, opérateur économique. Un opérateur économique, il est censé de respecter les lois du pays. Et si Kazaliko, ça l'a mumbongolaé. Mais nous avons vite compris qu'il y a certains opérateurs économiques, oh ben ni changement. Oh, ben, il y a un développement en République démocratique du Congo, ben, il y a toujours un démérite, toujours dans le Bobola, toujours dans le passé. Comment expliquer? Dollars dans la banque, ils ont 23 000 et quelques francs. Mais si le terrain, je vais changer. Vous allez sentir que les dollars sont équités, mais prix à Biloko, rien ne change. Mais l'actuel ministre, à l'époque, ministre AI, il y a l'économie Nicolas Kazadi, à l'ongolo qui va TVA, Nyonso. Pour le même matériel, les opérateurs économiques, pour le même matériel, les produits à première nécessité. Mais nous, tout le monde sentit pourquoi? Parce que les opérateurs économiques, ils ont été mamabé. Le chef de l'État avait instruit l'actuel ministre, vice-premier ministre en charge de l'économie, pour voir qu'un opérateur économique, il y a un peu de respect, il y a un peu de respect, il y a un peu de licence, il y a un peu de la loi. Un opérateur économique étranger, il est censé de respecter les lois de la République démocratique du Congo. Au cas où ils ont respecté mes buts de la République démocratique du Congo, et c'est une bonne licence, c'est bien. À ça, c'est ce qui m'a fait caboule. Aux ans de Zéangal, pour finir,
expliquer parce que ma belle Abisso, vous êtes obligé de respecter les lois de la République démocratique du Congo. Et on a chef de l'État à lobby pour nous mettre minerai à la République démocratique du Congo, ben interdit en haut jusqu'à une nouvelle ordre de Koko Bimate. Tout ça va marcher tout le temps. Minerai à Abisso, Bilo Bozali Kouya, on est coopéré gagnant-gagnant. Biso peut bénéficier de ton immeuble. Je ne sais pas si on peut se développer. Biso va emploi, biso va l'unité. Biso va la miette. Biso va la mongue. Biso va la côté belé. Pour développer, biso va démarrer toujours dans le bloc. Le chef de l'État a martelé à l'objet pour les métal minéré. Ils ont interdit et les Malibans ont besoin juste un nouvel ordre. Moi j'ai aimé cette déclaration. Ça permet, soi-disant, partenaire, pas un abattu, bah n'enzela porte et n'enzela porte pour te négocier la banque et permettre de tout se développer. Parce que le souci majeur, y a Tata Mukozeko, le Félix Antoine Tshisekedi, ils allaient être beaucoup en abus de se développer. Afrique d'ici ne se développe pas parce qu'il y avait eu des étrangers sérieux où ils allaient de l'eau. Afrique d'ici elle a développé. Mais chez nous, la majorité des opérateurs économiques ne sont pas sérieux. Ils font semblant, y a un abus, mais Nyoka Nyoka. Il y a un moment où j'étais éponge, le directeur général Miguel, où il y a Tché Maboko, le partenaire chinois Mafé, où il y a une grande instance, il y a Gombe, où il y a un comparaître. C'est pour vous dire que nous avons un président qui se bat pour l'intérêt de tous. Bisso, sur le grand abyssal, il y aura le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est-à-dire placer l'homme au centre de tout. Pour l'intérêt de la famille, nous avons combattu pendant 37 ans de lutte. C'était pour le valeur, lutter pour l'émergence, lutter pour que Moutou soit au centre de tout. Il y a un opérateur économique. Il y a un opérateur économique. Il y a un opérateur économique. Premier ministre en charge de l'économie. Ceux qui ont respecté la moitié de la robot et la licence, ils ne sont pas la République démocratique du Congo. Il y a un chef de l'État à la Bible. Chinois, Pakistan, patati patatate. Et c'est une concurrence loyale salement. Parce que quand il y a concurrence loyale sur le marché, Suédois Ali, Allemands Ali, Anglais Ali, Brazzaville Ali, Camerounais Ali, et qu'on permette concurrence à la bilogue qui est sur le marché. Mais tant que la majorité, il y a des opérateurs économiques, il y a la Chine, il y a l'Asie, le chef de l'État, c'est pour redonner l'image diplomatique et bébé qui est le chef de l'État qui est dans le Liban, pour les SMOTE, à Kindaka, pour coopérer pour que les investisseurs pour se développent. Tant que papa Bazali Koya et permettre de se développer. Mais je crois, au le 23 juin 2019, à Tikaka, mais je crois que le Dieu Tout-Puissant va nous assister à travers son fils digne pour aller établir à la tête de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la même carte d'identité, et c'est tout le bélin, 50 ans après, peuple congolais, pas aux accords, carte d'identité dans Bango. Dans quelques jours, opération, il a une carte d'identité des Aliko Banda, c'est l'ensemble des territoires nationaux. C'est pour vous dire que nous avons un président qui se bat pour l'intérêt de tous. Pour la Russie, Lissa, actuellement, dans le secteur hydrocarbures, le génie blanc, excellence, ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, Azali Warrior de l'hydrocarbure, acteur majeur de l'émergence énergétique dans le secteur. L'homme de 27 blocs et 3 gaziers. C'est un secteur automatique qui bénéficie de l'économie. Carburant, où ils allaient entre frontières et la République démocratique du Congo. La frontière en Abissoua, la frontière en Angola. Carburant, il y a des gens qui bénéficient de l'économie. Ils allaient en Abissoua et en Angola. Mais sous leadership, il y a patron et ministère des hydrocarbures Didier Boudjibou. Aujourd'hui, nous avons un partenariat gagnant-gagnant. Dit jamais vu. À l'époque, il y avait prédécesseur de l'Union sur le ministre des hydrocarbures. L'histoire retiendra Azali Homme, Oyo, Azali Kobunda, Pona, émergence énergétique de la RDC. L'homme de 27 blocs et 3 gaziers. L'excellent génie Didier Boudjibou. C'est une personne qui se bat dans le secteur. Au ressenti qu'il est en train de se battre pour que le secteur de carburant
bana mboka ba se bénéficier nango depuis que le ministre de l'hydrocarbi au senti que carburant hein ils a peine stable mais bato bazala liboso opérateur économique aya pécier mbongo allié exonération mais Didier Mohamedé, nous avons combattu pour l'intérêt général, nous avons combattu pour le peuple d'abord. Didier Boudim, excellence et vidéographie, Azane Loko Moko, et tient Tsige Dachaya Ibsaï, le peuple d'abord. Au courant que travaille le peuple comme on était. Actuellement, Seigneur Boué Baïté dans le secteur Kabian, tout ça va bénéficier. Au Raïmo Chiband, à l'époque, ministre de la coopération régionale et ministre des Affaires étrangères, à Kenda Angola, et Tsige Loko Abouti était. Il a été corrompu pour mon peuple congolais. Mais Didier Boudimbo est allé en Angola, il a convaincu le gouvernement angolais. Actuellement, je tiens à vous informer, nous avons un contrat entre la République démocratique du Congo et la République de l'Angola dans le secteur de carburant pour la même Matali, frontière République démocratique du Congo en Angola. Dis jamais vous, dis jamais vous, n'est pas que votre prédécesseur, Nyonso, ou Bakamba, est au carburant. Pour la Rossilissa, il y aura bel et bien congrès. Parce qu'il y a une idée de Banoz et la congrès. Bientôt, en septembre, il y a une candidature. Il y a Tata Mukonzeko, le Félix Antoine Tshisekedi. Mais Bisso, famille politique, Bisso, parce que tu as Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons un mot à dire. Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, ne peut jamais aller aux élections sans IDPS. Il y a un mot à Bisso, il y a IDPS. Le 25 au 26, nous allons dans un congrès extraordinaire avec un seul ordre du jour. L'enterrement, il y a candidature, il y a Félix Antoine Tshisekedi comme candidat IDPS. Toboïté, il n'y a sacré Zali. Il n'y a sacré Moudoboti, Félix Antoine Tshisekedi. Il n'y a sacré Ekokuta IDPS. C'est nous qui avons mis au monde Félix Antoine Tshisekedi. C'est nous qui avons fait que Tomemae a comme présent IDPS. Avant qu'on va présenter IDPS, Azalaka secrétaire général adjoint en charge des relations extérieures du parti. Aye Kokoma, président parti dans le congrès extraordinaire au Selmara, le 25 mars, le 18 au 20 mars, il y a 2018. Et puis, Bisso IDPS, ton même candidature en 2018 en tant que candidat, il y a IDPS. Il y a 2023, Tata Mukonzeko, le Félix Antoine Tshisekedi, ne peut jamais aller aux élections. Tandis que Azali la famille politique, Azali la famille OSKA Bimela, ils ont IDPS. Il y a un Bisso, toujours qui est dans le congrès le 25 au 26. Nazali Kosenga la banane sur IDPS. Le 25 au 26. Moutoune sa rokota, t'es dans le congrès. Pourquoi t'es dans le congrès? Et Sengel a une invitation ou bien un pouvoir discrétionnel. Il y a la personne qui gère le parti au quotidien, Augustin Kabouya. Il y a un Kosenga, la banane IDPS. Le 25, le 25 au 26 août, Ezali, l'ordre du jour, Moro, Togunana, au congrès, antérieurement, il y a candidature, il y a Félix Antoine Tshisekedi comme candidat IDPS. Fini la récréation, notre parti est en train de se battre pour avoir la majorité parlementaire, pour permettre Bisso, tous les primatifs, pour permettre Bisso, tous les contrôles et l'Assemblée nationale. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse Baro Baninganga na Baro Baninganga. C'est votre humble serviteur Guylaine Chubaba, le vrai descendant de Tshisekedi. Ceux qui ont besoin de contacter Bobinga, plus 243 81 99 18 616. Plus 243 81 99 18 616. Je suis sur WhatsApp. Bobinga Ngai, pour vous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Bye bye, bye bye.